Ça, et ça. Salut à tous et bienvenue sur le stream. Ce soir, The Messenger. Alors, j'ai pas eu le temps de lire. Ok. Sûrement dans l'espèce humaine, ceux qui ont préféré l'exil à la mort. Très bien, une île de ninja. Dans leur refuge, ils s'entraînent sans relâche. Leur seul but, survivre malgré la malédiction qui a frappé l'humanité. Belle légende annonce le retour de l'armée démoniaque, avide d'annuler les derniers humains. Ah, ils sont classe. Elle précise aussi qu'un héros sous les bras sont survolera, pardon, pas sous les bras. Oh, classe. Bon. L'histoire a l'air cool. Bon, copyright 2018 sabotage studio, à qui on passe le bonsoir évidemment, proposé par Devolver Digital, mes chouchous, et musique de Rainbow Dragon Eyes, non à retenir à mon avis parce que ça a l'air correct. C'est parti. Alors j'espère que le son est pas trop fort. Hop, nouvelle partie. Mon dieu, j'ai chaud. Quel est votre nom? Ricola. Hop. Ric 01. Non. Non, pas 9. 0. 1. Ah! Je confirme. Oui, je veux m'appeler comme ça. Ricola Ninja. Allez, c'est parti! On joue à la manette Xbox. J'espère que le son passe pas trop au-dessus de moi. Je pense que je vais baisser le son. Option. On va encore baisser de 1. J'espère que ça sera correct maintenant. Ouais, voilà, là on est bon là. Alors, petit saut. Plusieurs attaques au pied. Pour l'instant, les autres touches ne servent pas à grand chose. Je peux m'abaisser. J'adore cette pose de ninja. Genre, tu tombes comme ça et. Alors, je sais pas si. Ouais, ça va, ma webcam est. Ça va au bon endroit au bon moment. Ah oh yes, je peux grimper sur les piliers comme ça. Oula, 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 oula. Toi, la classe. Je suis là, master. Juste à temps pour le tour du jour. Reprenons ta technique de saut du nuage. Saute, frappe, saute. Oula. Oh, gavage. Je suis un maître ninja. Trop bien. Ah, c'est la folie. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est énorme. Je suis fait pour être un ninja. Oh. Eh bien, regardez qu'il daigne nous faire l'honneur de sa présence. As-tu au moins lu le manuscrit, cette fois? Toujours aussi rebelle. Voilà, du coup, ça sert à toute façon. Ça me faisait rester caché. Ah, tiens, ninja, gros con. Moi, la menace de l'armée démoniaque est bien réelle. Aïe 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 aïe. Voilà à quoi ça sert de rester caché, pauvre abruti. Les démons sont de retour. C'est impossible. C'est moi le héros de l'Ouest. Aïe aïe aïe. Maître, qu'est-ce que je dois faire? Ne pars pas, tu n'es pas prêt. Bon. Wouah, sale démon quoi. Reset-moi son bombeur du camp, il est temps de le soumettre définitivement. Passez vite, mon gros. Moi, Guillaume, s'adresser ainsi à moi. J'espère que ce garde-sauvre est sur elle. Impitoyable.
prepare to die. Ce cri impossible. Oh, c'est le héros de l'Ouest. Chance est avec toi, Barmatazel. Enfin, ce nom. Oh, ce général de l'enfer, quoi. Il est classe. À vos ordres, mon roi. Oh, ça va chier. Bon, on fait quoi? Alors, c'est vous, le... Oui. Héros de l'Ouest, c'est encore. J'arrive trop tard. Tu vas faire le boulot à ma place. Prends ce parchemin et mets-toi en route, jeune ninja. Tu dois la porter jusqu'au sommet du pic glacial. Il t'attend de toi, sage. Et qui êtes-vous? Et qu'est-ce qu'il y a de si important, ce parchemin? Tu trouveras les réponses à tes questions au cours de ton périple. Hâte-toi jusqu'à la porte du village. L'obscurité de la nuit sera ta seule protection pour sortir du vent des collines automnables. Bonne chance, messager. Ah, et c'est là que le jeu prend tout son sens. Grâce au nom. Voilà pourquoi je suis le messager. Vous avez été choisi comme messager. Votre mission est de porter ce parchemin à travers ce monde maudit. Parfait. Eh bien voilà, ma quête est définie. Dans l'introduction du jeu, c'est parfait. Alors, faut que j'arrive à retenir voilà, cette technique ninja ancestrale. Alors, est-ce que Devolver Digital va réussir son pari de réaliser en bref un jeu rétro qui soit aussi à la hauteur musicalement et graphiquement que Shovel Knight? Est-ce que ça va rencontrer surtout le même succès? Moi, c'est l'analyse que j'aimerais faire sur ça. Oui. En tout cas, musicalement, c'est pas mal du tout. Là. Quand ça va partir. Oui. Ah, c'est quoi ça? De la vie? Je suis. Ah merde! Je pensais qu'il allait pas se tourner. Salopard. Faut plutôt que je joue avec la croix qu'avec le joystick. Ça sera beaucoup mieux pour moi. Ok. Ninja. Ouais, aïe! Alors je sais pas si en tombant dans les pics tu. Tu meurs complètement ou si tu perds toute ta vie. Enfin, du moins un point de vie. A voir. Ah merde! Je peux pas marcher sur les murs. Non! Pas de double saut non plus, c'est triste. Oh! Ah bah tu vas voir quoi, à tous les cons on va l'acheter là le double saut, c'est sûr. Oh, sympa ça. Bonjour. Ah, le messager. Je ne t'attendais pas aussitôt. Je suis où là? Dans la boutique? Ça ressemble pas à une boutique. Et moi, je ressemble à un boutiquier. Je suis le guide spirituel qui te soutiendra tout au long de ta quête pour sauver le monde. Fais ta chaque tirée seule. Apportez ce parchemin au sommet d'une montagne lointaine. Ah ça, j'appartiens au même ordre que moi qui attends. Quel ordre? Ah, trop d'infos à la fois. Trop de textes pour une seule boîte de dialogue. D'accord, donc il y a quand même un petit humour comme ça, ça va quoi. Alors, ramasse tous les éclats temporels, ok. En débutant, le premier est gratuit. Ah. Les griffes des grimpeurs. Ah ben voilà, on va pouvoir marcher sur les murs. Tel un ninja. Appuyez-vous contre les murs, est-ce que vous êtes en l'air pour vous y accrocher? Parfait. Ouais, on va s'améliorer. Alors, plaque de carotte, santé plus 1. Attaque à distance, attaquer les projectiles ennemis. Oh, pas mal ça. Ça, c'est bien. Ah, j'y crois pas, il en faut 40, j'en ai 39. On va faire santé plus 1, évidemment. Si je fais discuter.
Et ouais, je me disais bien que ça me manquait, c'est clair. Oui, c'est pourquoi John Gaiden les a inventés il y a plusieurs décennies. Oh. Qui est ce John Gaiden? Peu importe, je devais mentionner son nom, c'est chose faite, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est John Gaiden, c'est Ninja Gaiden, quoi. Enfin, moi, est-ce que je me trompe, quoi, mais... j'ai pas compris. Ouais, ouais, t'inquiète, d'autres comprendront, quoi. Ah. La question n'est pas où, mais quand. Excellent. Une nouvelle personne vous suit. Oh, une nouvelle personne me suit. Merci, commandeur route. Merci beaucoup. Non, je sais que tu débutes, mais est-ce que tu veux vraiment obtenir des informations claires, précises, citons ton aventure? Ben non. Ben non, ben non, je vais être surpris par la suite. En fait, tu peux continuer à le gonfler pendant 3 heures, quoi, le pauvre. Un domestique qui ne savait pas lire. Un jour, son maître lui demanda de lui lire quelque chose, et il répondit « Mes excuses, monsieur, mais je ne sais pas lire. » C'est avalu d'être licencié. Se met à l'enquête d'une maison ratée pour s'y reposer, se lamenter sur son infortune. Putain, l'histoire pourrie. Ok. C'est clair. En bref, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que pour devenir patron, il faut être con comme ses pieds, quoi. Et qu'il faut pas savoir lire. Je vois pas le rapport avec mon aventure, c'est clair. Une version longue de Si la vie te donne mille raisons de pleurer, putain, j'aime. Pourquoi en fait je réfléchis, je me dis mais putain pourquoi c'est pas un jeu sérieux? Mais parce que c'est Devolver Digital tout simplement. Ah putain ils sont cons. C'est une histoire grâce à laquelle tu pourrais briller en société. Putain c'est clair quoi. Belle histoire, très très belle histoire, j'apprécie. Allez, on se casse de là quoi. Merci de pas toucher à l'armoire. Ah. Ah yes. C'est vrai que c'est vraiment le truc qui manquait depuis quasiment le début du jeu là. Ça y est, il manque le double saut aussi. Le double saut il serait super bienvenu. Voilà. En plus ça va parce qu'il faut pas maintenir de touches pour... Pour comment ça s'appelle, pour s'approcher au mur, donc c'est d'autant plus sympa. Ben, je sens qu'à la prochaine... Attends, l'endroit là où comment ça s'appelle, à la JDQ. À mon avis, celui-là, ils vont le streamer, mais à bloc, quoi. Ils vont le runner, mais de tous les côtés. J'ai hâte de voir les speedruns dessus, quoi, parce que... Ah! Putain, j'ai combien de vies? 3, 4, 5, 6, ok. Je peux monter à l'arbre, quoi. Je sais pas si après on a des shurikens ou quoi. A voir. D'accord, je me suis dit peut-être que il y a un secret en haut ou quoi. Mais non. Déjà j'en ai 46, je sais que je peux acheter une autre amélioration. Ouais, franchement, si le jeu garde son humour comme ça, ça va être la folie. Hein. Oula! Ok, il y en a des bleus maintenant. Ouh. C'est quoi un checkpoint? Ouais. Je peux ouvrir un portail ou... Non, je me suis dit peut-être que... Aïe! Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais crever. Pas mal. L'effet de l'eau comme ça sur la musique.
C'est comme si tu avais plongé, c'est pas mal. C'est pas mal réalisé. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va bien marcher le jeu. De toute façon, c'est tout ce que je peux souhaiter à Devolver Digital, quoi. C'est, franchement, ça fait depuis un moment là qu'il commence à prouver que... Bah, que c'est un putain de bon studio, quoi. Ils sortent que des jeux de fou. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, ça s'accélère pas mal. J'ai vraiment hâte. En fait, ce que j'aimerais, c'est les voir sur de grosses licences. Après, par la suite, ça serait bien. Bon, ce qui est déjà quand même un peu le cas. Hein. Par en haut, par en bas. On va passer par là. Putain, le son dans le casque, il est excellent. Quand on a sous l'eau. Ça rend super bien. Va. D'accord. Pourquoi pas. Ah d'accord, les ennemis reviennent de suite, quoi. Je peux grimper là. Allez, esquive. Ben, je pensais me la prendre. Hop. Ouais, je veux améliorer. Ah, shuriken énergétique. Consommer une charge de votre équipe pendant ça, shuriken. Ah, ça c'est bien désormais de détruire les projectiles ennemis, effectuer un saut de nuage sur eux. D'accord. Trop cher. Bon, on va acheter ça. Shuriken, frappe de ninja. Ok, esprit saint. On verra plus tard. Hop. Alors, comment j'envoie les. D'accord. Tout simplement. Ça leur fait rien du tout. Peut-être pour pouvoir grimper plus vite, je pense. Ma foi. Alors là, j'aurais pu utiliser mon petit shuriken. Alors, il y a des ennemis. Un coup ça leur suffit. Par contre d'autres non. Hi ! Et en plus je pouvais le détruire, pourquoi je l'ai pas fait ? À ta guise. Ah, là il y a un symbole en haut. Ah, il me faudrait le double saut. Ah, ils sont vachement résistants, les verts. Pour l'instant ça va, je prends pas trop cher en termes de dégâts. Faut vraiment le faire exprès pour s'en prendre plein la gueule. Bon, ce que j'aime beaucoup c'est que le personnage réagit super bien, quoi. Il est très léger. Et en termes de gameplay c'est très agréable. Putain, là, je l'ai fait exprès. Si après il y a des y a du New Game Plus ou des trucs intéressants à voir. Par contre, je trouve le prix du jeu quand même assez abusé. 16-20 euros pour un jeu comme ça. Je crois que Shovel Knight faisait pas autant à sa sortie, quoi. Bon alors vas-y, c'est quoi cette pièce verte hein? C'était quoi ce gros machin? Ah, je l'ai cassé, merde. Je
je l'avais récupéré moi. Un saut de pouvoir. Je sais pas à quoi il sert. Ok. Alors tout à l'heure j'ai vu le même symbole mais là où j'ai dit merde je peux pas grimper, il me faut le double saut. Je peux pas descendre par là. Peut-être que je retourne en arrière. Non sérieux? La blague. D'accord, parce que le jeu quand même te pousse à faire des allers-retours. Ah non, en fait, je suis descendu là machinalement, quoi. Ouais, je pense qu'après, avec les améliorations, tu dois pouvoir revenir dans les levels pour pouvoir découvrir les autres salles secrètes. C'est sympatoche. Bon, j'ai hâte de voir si les boss sont compliqués, par contre. Si j'ai assez pour acheter quelque chose. Ah, coffre vert alors. ...44 sauts de pouvoir pour l'ouvrir. Enfin, j'espère que ça va vite quoi. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ah voilà, deuxième saut, ça c'est bien ça. J'achète. Ah, boss du niveau. Gigantesque monstre feuillu. Ah. En effet, vous l'avez omis. Ta tête. Ah. Quoi, c'est la pleine lune? Bon, ben parfait. J'aime bien les dialogues sont écrits avec humour, c'est sympatoche quoi. C'est pas cet ordre de rire, mais c'est agréable. Ah. Putain, comme je rigole si c'est un boss de merde. Un tout petit boss. Ah non, c'est quand même un boss. Ouch! Je sais pas si on peut grimper dessus. Et merde. Mais y'a juste à faire ça, non? D'accord, on peut pas grimper dessus, moi maintenant je le sais. Yes. Easy win. Oh, ça va, c'était pas très dur. C'est le premier boss. Trop bien. Ah, y a pas l'air d'avoir de coupure. On peut quand même continuer dans les levels. Ah non, quand même. Gérard. Triste histoire, pourquoi?
On va voir, non, mais c'est tout vu, quoi. Ça... Allez, encore une autre histoire. Ces histoires. Et l'histoire d'une meuf qui cherche la sensibilité chez un mec et qui au final ça la gonfle trop. Alors du coup elle décide d'ouvrir des livres pour se développer personnellement et divorcer. Très bien. Superbe histoire. Putain. Aïe. Ah d'accord. Ah bah oui, il l'avait dit, quoi. Il avait dit que j'y arriverais pas à sauter, quoi. C'est bien vu, c'est... Vraiment, c'est bien vu. Ah, il est trop beau. Excellente, la musique. Faux week-end. Catacombe et il se balade dedans, quoi. Ça, c'est faisable. Pas le problème.
Thracien, à la manche. Pas mal. C'est, putain, j'adore le son étouffé comme ça. Aïe aïe aïe. Ouf. Merci le jeu. 159. Ah, il s'est passé quoi? C'est quoi cette créature? Ah, mais c'est pas le premier boss que j'ai tué? Non, non. On a déjà discuté de tout ça, non? Ah ouais, le pont était en ruine. Ah voilà, les catacombes. Ça ressemble, bah dégâts des bombes. Bah si, si, justement, un nécromancien, voilà quoi. Ah ouais, c'est vrai, il fait quoi lui? À part servir de boutique. Encore une histoire. Attends, putain. Les histoires utiles du boutiquier, quoi. Mais... Poirier. Okay. Oh la la grognasse. Aïe aïe aïe. Cette grognasse de vieille quoi mais... D'accord. Tout simplement. J'avoue, moi aussi. C'est vrai que ça me fait rigoler, quoi. On s'en mord de ce que ça veut dire. Ah là là là, pas mal du tout. Vraiment, vraiment bien, quoi. Ah, ça, c'est pas terrible, ça, l'accélération sous-marine. Mais bon, j'achète. Choisir, ça a été cash. Ah, pas mal. Wouh.
Vas-y, crache tes flammes. Ah! Je vérifie les murs au cas où il n'y aurait pas des cachettes secrètes. Ah! D'accord, c'est juste un point, j'ai l'impression. Ah là, je vais en avoir besoin là. Ok. Ah. Bah, je sais pas pourquoi, je pense que la difficulté va monter progressivement. Quoi. Je sens bien quoi. Dame est bon à prendre. Ouf. J'ai chaud. Heureusement, j'ai acheté le double saut. Récupérer la vie. Ça va être un mini boss, même pas. Ah, le nécromancien encore, toujours de dos. Ça, par contre. Ça, j'ai senti arriver, c'est moi l'idiot. J'ai glissé. Quoi,
moi j'ai peur parce que je me dis merde, je vais pas pouvoir stopper le tir. Et au final si quoi. Au final t'as les bons pouvoirs d'entrée de jeu quoi. C'est ça qui est sympa, il manque que vraiment le double saut pour que ce soit perfect d'entrée de jeu quoi. Alors esprit sans ennemis vaincu, espoir va tomber un globe qui rend. Ah ça c'est bien ça par contre pour la magie. Ah oui ça c'est mieux. Je préfère la santé que la magie quoi. Ah, boss du niveau, on y est. Conseil à te donner, ouais, bah on sait très peu de choses. Conseil de merde. Tout ce con. Ah oui, effectivement, donc ça veut dire que pas tout seul. Mouais. Il y a quelque chose qui se trame là dans mon dos. C'est bien, ça le rend un peu plus mystérieux quoi, ça te donne envie d'aller jusqu'au bout quoi. Ah, le nécromancien. Alors fais voir la gueule qu'il a. Ça, parce que depuis tout à l'heure, il est tourné quoi. Ah d'accord, il parle à son bâton. Ne me fais pas honte comme la dernière fois. Ah. Alors vas-y. Montre-moi ton discours maléfique. Ah, il est tout petit. Il est tout petit. Qui ose pénétrer en mon repère? Mais c'est le messager. Puissance de Rixil le puissant. Pas mal le fait que ça soit un tout petit être. Aïe ouais. C'est chaud bouillant quand même, les boss. Yes. Ouais, pas mal, ma surprise celui-là. Je récapitule. Ça me fait presque de la peine de le battre, le pauvre. Ouais, ce que j'allais dire d'abord, on dit capituler, et pas je récapitule. Est-ce que ça nous a rendu heureux de faire du mal? Ah ben on le tue pas, parfait. Super. Bon ben parfait. Ouais, il est trop gentil pour... Trop gentil pour mourir. Pas possible.
Putain, la OST est excellente, vraiment. Ah, j'étais plus masque. Ah, ça va devenir un must-have ce jeu, c'est obligatoire. Là, il a toutes les qualités requises pour ça. C'est dingue, quoi. Ça faisait un moment que j'avais pu jouer un bon petit jeu comme ça, quoi. Ça me manquait beaucoup. Je crois que depuis la dernière extension de Shovel Knight, en traître. Ah putain, ça va être chiant par contre. Ah ouais, on va aller parler à Boutiquier. Putain, c'est clair, les catacombes. On aura aussi gay. Les éclats temporels. Ah. Mais ouais, ça c'est une bonne question. Bah oui, pourquoi tu poses la question maintenant hein, depuis le début tu fais. Oh non, encore une histoire. Ah bah d'accord, carrément, genre casse-toi quoi. C'est des fous. Putain, je suis mort. Ah, Mister Tick. Ça va, mec? Tranquille? Oh, un nouveau client. Comment tu vas, mec? Ça fait un bail que je t'ai pas vu. Mais oui, je suis mort. Si on chipotait, ouais, t'étais mort. Quasimodo. Ouais, ça va mec, écoute, tranquille. Ça va, le mariage est samedi. Donc du coup, ça va. Là maintenant que tous les préparatifs sont passés, qu'on est dans les temps, c'est bon quoi, je peux recommencer un peu à faire des trucs tranquilles. Ouais, c'est bien, tranquille. Et du coup, là, ce soir, je me suis dit, je vais démarrer un nouveau stream. Ça fait un bail. Je vais jouer à The Messenger, qui est un petit jeu rétro à la Shovel Knight, mais fait par Devolver Digital. Donc, voilà, y a pas mal d'humour et une très très bonne bande son. À chaque fois que je crève, il va me voler. Ah, c'est traître ça. Ah non, vas-y.
Putain, maintenant il reste avec moi, il me bouffe mes cristaux quoi, j'hallucine. C'est quoi, c'est jusqu'au lieu où je suis mort en fait? Putain, la haine. Super traître quoi. À bouffer à ce brotin. Autant peut-être qu'à la fin il va tout m'en rendre. A voir. Ah mais il est déjà parti en fait. Ça y est, il est parti, il est parti. Pascal la dalle, ouais c'est clair. Très bon épisode de South Park tout en passant. Ah, j'ai pas pris le trait en marche, on va dire. Je peux pas grimper au mur? Bah oui. Pourquoi je me suis emmerdé, moi? Super. Par contre, de point de vie, c'est pas terrible. Super. Oh, le salaud. Ah, cette espèce de demi-boss à la mormolneux là. Putain, il est où? D'accord, il a disparu, normal. Tout va bien. Ouais, ouais, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Je t'ai compris. Je vous ai compris. Non, va là-bas, on a dit. C'est à l'étage supérieur là. Mais... 121, j'aurais pas assez pour une amélioration chez le ticket. Putain. Je pensais que je pouvais passer. T'as pas bien compris le concept de marcher sur la pointe des pieds, c'est ça? Ah non, maintenant il va bouffer comme un gros lard quoi. Oh la rage. Bon, le jeu est en train de devenir un tout petit peu plus dur. Ouais, ça, ça pique. Oh là là, cette blague. Bravo, bravo, bravo. J'espère que tu es fier de toi. Mec, il est heureux de sa blague. Putain. Ah non, mais ça, ça me rend fou. Il aurait fallu que j'attende. Putain, je m'en suis sorti de justesse là, mais. Je pense que je vais être obligé d'acheter une amélioration pour les pics parce que. Je sens que ça va jouer des tours. Là, j'aimerais bien qu'ils disparaissent en fait là. Ah. Oula 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 oula. Ok. Casse-toi, dégage. Tu me voles tout mon argent. Ah ça y est. Pourquoi je sens que ça va être chiant, putain. Ok, 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 ok. Ah, attends, attends-moi. Enfin, je sais même pas où je vais, mais j'y vais, quoi. C'est le bordel, ce niveau, quoi. Grosse bouffe alpha. Ah ouais non mais là il te prend tout. Il te prend tout ce truc. C'est génial. Non, reviens.
Maintenant j'évite les ennemis tant que je peux. Tant que faire se peut. Ninja. J'essaie de profiter des loupiotes. Hop. Je sais que là en plus il y en a plein. J'y arriverai jamais là, c'est pas possible. Non, j'y arriverai pas. Partir de tout en bas, super. Grimpe, 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 grimpe. Aïe. Merde. Allez, c'est bon, ça passe. 248. Ah, j'ai assez, non? Bah, de même, mec. Très bonne soirée à toi, merci d'être passé. Ciao, ciao, bisous. La bise. Alors, esprit saint. Qui rend un cristal de qui hein. Allez hop. Discuter. Ah, le boss du niveau. On y est. Ah, y'a pas de boss. Non, j'ai mis des bambous, genre. Te voir prendre un boss pendant tes vacances. Ah, ça y est, je pense que je viens de comprendre en fait quoi. En vacances, y'a pas de boss. Eh oui, y'a pas de travail, tu travailles pas, y'a pas de boss. Allez hop. Dieu, j'ai chaud. C'est parti. Ah. Dis bon, ça y est, il va y avoir un boss. Il y a plus de musique, il y a plus rien. Il y a un problème là. J'adore parce qu'en fait, c'est que des schémas de boss. C'est que des lieux où normalement il devrait y avoir des boss et il y en a pas. C'est vrai qu'en fait, on est vachement marqué par les schémas. C'est pas faux. Hein. Ah d'accord, carrément. Pas de boss. Pas de boss pour la jungle des bambous. Putain, c'est n'importe quoi ce jeu. Je pensais que c'était un truc sérieux, mais... Mais non, Devolver quoi. Fallait bien qu'il le fasse. Donc, j'y arriverai jamais jusque là-bas, hein. C'est pas possible. Dis-moi que je vais avoir droit à une amélioration gratuite. C'est obligé là. C'est obligé. Je suis tombé de la falaise. Ah non, une histoire, non. Les guerriers du clan des écureuils. Incroyable, waouh! Oh, une capellée! Yes! Trop bien! Appuyez maintenant là ce que vous attendez pour déployer la cape et planer. Ah, super ça! Pourquoi est-elle gratuite? Ouais, c'est la question en fait. Il y aura d'autres cadeaux après celui-là.
Bah c'est d'aller jusqu'au bout. Et oui. Oh. Putain, ouais, je sens que ça va être le bordel après. Ah, oh, la grotte de Hurlevent, jure. On est chez l'Alliance, non. Une créature troglodyte l'a dit autre fois. Allez, une histoire. Petite histoire. Anxiété. Boutique et psychiatre. Ah, c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Ah, pas mal le coup de la cape. L'animation est sympa. Oui, trop bien. Ah, là, je me suis raté. Je recommence. Faut que je respecte la courbe. Je veux envie de revoir le nécromancien maintenant. Il était tellement cool. Ah! Oh, joli! Joli ce que j'ai fait. Un grand moment de jeu vidéo, quoi. Putain, c'est chaud. Je sens qu'en plus tu meurs très vite sur les pics. On va éviter. D'accord, les rochers restent. Putain, à chaque fois je crois que c'est un double saut, mais j'arrête de penser ça. Il y a peut-être une salle secrète dans l'eau. Je sais pas, je vais pas vérifier. Donc je suis pas encore sûr de tout ce qui me tue, ce qui me tue pas. C'est même parce que du coup quand tu utilises la cape, des fois c'est fait, on dirait qu'il saute en l'air, qui fait des trucs vachement bizarres. Genre des saltos et tout. C'est juste. Alors là, ça va être dur, je crois. En soit, le jeu est pas compliqué, mais c'est des moments d'inattention des fois qui. Oh, si, il est compliqué le jeu, j'ai rien dit. Aïe 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 aïe. Aïe.
ouais, je voulais planer, mais j'ai pas réussi. Alors lui, positionné, mais au bon endroit. Bon endroit, bon moment. Je saute pas. Oh merde, je suis con. Pourquoi j'ai pas vu le passage en haut à droite? J'ai eu sinon. J'ai pas vu le passage en haut à droite. Oh, je le fais exprès, quoi. Oh, putain, je suis trop coincé. J'ai pas fait attention, quoi. Je suis un bite. Moi, c'est moi qui réagis mal. Putain, il bouffe tout ce salaud là. Ah, c'est tant qu'il est pas rassasié. Saloperie. Enfin, toutes les améliorations que je pourrais m'acheter, quoi. Voilà, c'est bon. La dette est payée. Ah, j'ai bien fait de passer par là. Ouh, c'est chaud. Bon ben voilà, ça y est, l'erreur est faite. Faire chier lui, je le sens bien, mais voilà. Voilà, comme ça je vais aller chercher le reste qui me manque. J'en sens une écurie. Bientôt le boss, j'imagine. Merci la cape. D'accord, il tourne sur les murs. Je suis passé mais tellement juste. Pas de bon accord. Les saltos dans les airs, mais putain. Ça faisait trop beau à force. Chercher. Bien vu ça, très bien vu. Ah, en tout cas.
les ennemis qui apparaissent se cachent, puis ça bouge. Merde, j'en ai oublié un, c'est pas grave. On va pas mourir. Peut-être une autre amélioration, on va savoir. Attaque en piqué. Boss du niveau. Ah, j'espère que tu aimes les défis. Ah. La meilleure défense, c'est la défense. J'avoue. Bon, allez, go. Go, boss. Là, par contre, il me reste encore 44 orbes vertes à récupérer, mais je les ai pas. J'en ai vu aucune. J'en ai vu qu'une seule pour l'instant. Oula. Oh, le golem. Oh, ça va chier. Aïe aïe aïe. Oui oui oui. Oh. Ok. Ok, ça c'est jouable par contre. Okay. Vite 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 vite. Je l'ai senti arriver. Je vais mourir. Alors j'étudie un petit peu les patterns, parce que sinon ça va pas le faire. Ah, j'ai pas eu le temps. Vite, 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 vite. Putain, encore une fois, je suis mort. Eh merde. Rah, dommage. Dommage, 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 dommage. Ça m'a évité. Putain, dégoûté. Dégoûté, dégoûté, dégoûté. Ouais, je connais pas trop les patterns. J'ai perdu des points inutilement. C'est dommage parce qu'il est pas très compliqué en fait. Il me faudra en fait une technique d'esquive ou un truc qui permet d'avoir un petit dash. Ça serait pas mal un petit dash. D'accord, je peux pas passer par la tête non plus. C'est pas grave. Ah putain, j'y ai cru quoi. Putain, j'ai pas le temps. Il rend fou. Il rend fou. Là où, là où, là où, là où, là où. Oh putain, le con. Reste en haut, vole. Fais l'écureuil. Aïe 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 aïe. Ah, ça c'est pas mal ça. Non. Putain, ça va être compliqué là.
Ah, ça va être vraiment compliqué, je sens. Non, il est pas dur, faut juste bien esquiver, quoi. J'ai raté, je crois pas. Yes! Chaud là ce passage quand même, quoi. Oh le pauvre. On va pas en faire toute une histoire, c'est pas grave. Putain, limite... Ça fait deux boss que je suis dégoûté de les fracasser, quoi, j'ai la haine. Pourquoi il pleure? Je pense que c'est à cause de son golem. Arrête des champignons, c'est ça? D'accord, sur le mouvement. Aïe. D'accord, ils envoient leur tête. Ça y est, le jeu. C'est le ronflant au début, mais là... Malgré sa cruauté, il était super gentil et poli, le truc.
Super. Ah, allez, une histoire. Oula, j'ai fait me jeter dessus, mais bien. J'y crois pas, quoi. Ah, ça c'est utile ça. Aïe, un chapeau. Ah, de bon vie, de bon vie, là. Putain. Ouais, je commence à être fatigué, je pense. Je commence à être crevé, quoi. Bon, allez, on va faire une petite pause là. Et puis, on continuera le jeu quand j'en aurai envie. Point, à la... point final, c'est tout. Bon, allez, ciao.